Frères et sœurs, dans le Seigneur, demeurez bénis dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur tous ceux qui sont connectés ce soir. Le Seigneur nous fait grâce ce soir d'être dans sa présence pour un moment fort de prière sous un thème que ces vacances n'éteignent pas mon feu pour toi, Seigneur. Que ces vacances n'éteignent pas mon feu pour toi, Seigneur. Je suis convaincu que ce soir, chacun d'entre nous, nous ne sortirons pas de cette présence glorieuse du Seigneur telle que nous sommes venus. Et nous croyons fortement que Dieu, qui nous a appelés à ce temps de prière, aura une réponse certaine à la question qu'on se pose par la prière, par les sujets de prière, que Dieu nous donnera de prier en ce soir dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous les membres de l'équipe qui sont connectés. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de Christophe. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de Jolina du Congo. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de Kelly. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Shadabra la Sapa. Bien-aimé, dans cette atmosphère de prière dans laquelle nous sommes, j'aimerais que là où tu es, tu commences à élever la voix pour rendre grâce à Dieu, pour dire à Dieu, Seigneur, je veux te rendre gloire. Tu es tellement grand, tu es tellement grand, tu es tellement fort, tu es tellement fidèle. Alléluia, Shadalapas. Tu es tellement grand, tu es tellement fidèle. Sache une chose, tu peux ouvrir ton micro pour prier. S'il y a du bruit près de toi, tu peux fermer ton micro, mais ne laisse pas Satan te distraire. Lève-toi et prie. Il y a des thèmes avec lesquels on ne s'amuse pas. My God, Shalavra sauté. Il y a des thèmes avec lesquels on ne s'amuse pas. Ne laisse pas Satan te distraire. S'il y a une chose que tu dois savoir, c'est que prier, c'est prier. Quand c'est l'heure de prier, c'est prier. Quand tu es dans un pays musulman ou bien quand tu as des amis musulmans, quand il est l'heure de prier, même quand c'est le boutiquier, tu vas à la boutique. Tu veux quelque chose, si c'est l'heure de prier, il est en train de prier. Il ne regarde pas si tu es client ou bien tu n'es pas client. Tant qu'il ne finit pas de prier, il ne va pas te servir. Donc toi, quand tu es chrétien, ton heure de prier est arrivée. Laisse de côté Internet qui est devant toi. Laisse de côté ce que tu es en train de faire. Concentre-toi sur ce qu'on va faire. Car l'Éternel répondra à ta prière dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix avec moi pour rendre gloire à Dieu dans le nom de Jésus? Pour élever le Seigneur, lui dire qu'il est tellement grand. Prions le Seigneur. Ça tu merci parce que c'est toi qui t'es par éternel de ce que Seigneur tu nous fais grâce. Parce que toi, Père éternel, ça nous a permis encore, Seigneur, de nous toucher, et du coup, tu permets de venir encore, Seigneur, ce soir. Merci, Père éternel, parce que c'est encore Seigneur, de nous toucher, et de nous toucher, Père éternel, merci pour son amour, merci pour ta grâce, et que toi, tu nous as fait grâce, tu as fait de Père éternel, tu nous as donné leur chose de vie aujourd'hui, tu as permis de nous malgré nos problèmes, malgré nos situations, Je mets de tous les instants, Seigneur, pour que tu aies
Merci pour ta grâce, Seigneur, je suis pour ta grâce. Amen, alléluia. Nous voulons vivre quelque chose d'exceptionnel ce soir. Raison pour laquelle nous allons dire au Seigneur, Père, nous voulons sentir ta présence glorieuse ce soir. Nous ne savons pas de quelle manière tu vas nous faire sentir cette présence. Peut-être par les sujets de prière. Nous ne savons pas de quelle manière, mais Seigneur, nous voulons sentir ta présence glorieuse ce soir. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix, prier avec moi? Dis, Seigneur, je veux sentir ta présence glorieuse ce soir dans le nom de Jésus. Père éternel, je veux sentir ta présence. Adonai, prie roi des avec rois, nous moi. venons encore, Seigneur, Père éternel, ce soir. Parce que nous voulons sentir ta présence. Adonai, ce soir, Seigneur, nous voulons sentir ta présence. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire les choses sans toi. Adonai, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons pas. Sans toi, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, nous ne voulons pas faire sans toi. Seigneur, ce soir, Père éternel, invoquer encore ta présence, Seigneur, Seigneur, ta présence, Shaddai. Nous avons besoin de ta présence, Shaddai. Ta présence, roi des rois. J'apprends le chemin, s'il te plaît, Seigneur, roi des rois, Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, parce que nous avons besoin de ta présence, Seigneur, ta présence, rentrer ta présence au milieu de nous, ta présence, Adonai, roi des rois.
ta présence. Je suis puissant. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Je suis en train de ce moment t'appartient. Nous ne voulons pas faire des choses sans toi. Nous ne voulons pas faire des choses sans toi. Non, non, Adonai, cela n'est pas possible. Adonai, comment que nous ferons des grandes choses? Oui, Adonai, nous serons des grandes choses. Parce que tu es toujours des grandes choses. Les mandaka, les mandakas, les parce que ta présence veut et le soin, parce que ta présence père va me libérer, que ta présence père va me sauver, parce que ta présence ne me laisse pas indifférent. Nous avons besoin de la Saint-Esprit. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen. Et ce soir, nous sommes réunis autour du thème que ces vacances n'éteignent pas mon feu pour toi, Seigneur. La semaine dernière, nous avons prié avec ce thème et cette semaine, nous prions encore avec ce thème. Nous croyons que, à force de répéter, le Seigneur va nous exaucer. Une chose que nous devons comprendre avec ce thème qui me plaît particulièrement, qui me plaît depuis la semaine dernière, ce thème-là me plaît particulièrement, c'est que lorsque le Seigneur inspire son serviteur pour que ce thème-là soit, c'est qu'il y a quelque chose pour laquelle l'Éternel est en train de nous préparer. Dieu ne donne pas quelque chose pour rien. Il ne dit pas un truc pour rien. Lorsque Dieu te dit, mon enfant, commence à te préparer parce que les vacances arrivent. Le feu ne doit pas s'éteindre. Ça veut dire que devant, il aura forcément un piège. Devant, il aura forcément quelque chose. Donc, ce feu-là, tu as obligatoirement besoin de lui. Ce thème-là, obligatoirement, il y a un but. Et c'est de garder une certaine constance dans les choses du Seigneur. En réalité, le feu dont on parle, c'est le zèle. Le feu dont le Seigneur est en train de parler, c'est le zèle. En fait, c'est que le zèle qui t'a pris tout au long de l'année, pendant qu'il y avait les assemblées, pendant qu'il y avait les temps de prière, que ce zèle-là ne disparaisse pas, pendant que tu seras en vacances, pendant que tu n'es pas à l'école, pendant que tu te dis non, que ce zèle-là ne disparaisse pas. Mais bizarrement, si le zèle ne doit pas disparaître, c'est parce qu'il a existé. S'il n'y a pas de zèle qui a existé, est-ce qu'on peut parler de Seigneur que ton feu ne s'éteigne pas en moi pendant les vacances? C'est parce que au cours de l'année, il y a eu un feu en toi. Lorsqu'il y a un feu en toi, tu n'es plus la même personne. Tu brûles de partout. Tu n'arrives pas à t'asseoir, tu n'arrives pas à... Nous allons prendre Jérémie. Jérémie 29. Jérémie 29. La Bible dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus de son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renforcé, renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne peux pas. Écoute, c'est tellement fort. Ce qui signifie que le feu, le zèle du Seigneur qui est en toi ne te permet pas de t'asseoir, même pendant les vacances, ne te permettra pas de t'asseoir, de regarder, de dormir. Généralement, c'est ce que ce feu-là va faire. Mais s'il n'y a pas un feu en toi, si auparavant, il n'y avait pas un feu en toi, pendant ces vacances-là, tu es sûr que tu ne peux pas dire, Seigneur, que le feu, il n'y a pas de feu en toi. Raison pour laquelle nous allons prier, nous allons dire à Dieu, peut-être qu'il y avait un feu en toi, peut-être qu'il n'y avait pas de feu en toi. Toi, tu as déjà un feu en toi, rends gloire au Seigneur. Mais nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, que ton feu demeure en moi. Qu'il y ait un feu qui me prenne, qui m'habite, qui m'embrase, que ce feu-là demeure en moi. Regarde, tu vas prier.
Tu vas prier de telle enseigne que tellement que tu es concentré, tu es sérieux dans la prière, je ne te demande pas de crier, mais tellement que tu es sérieux sur ce sujet de prière, peut-être que ce feu-là même va tomber sur un membre de ta maison. Peut-être que ce feu-là même va tomber sur peut-être quelqu'un qui est assis près de toi, quelqu'un qui est dans la maison, quelqu'un peut-être même à qui tu penses. Tu veux voir que cette personne revienne avec une vie de prière, je ne sais pas. Mais tellement tu vas mettre du sérieux dans ton sujet. Est-ce que tu peux élever la voix avec moi? Prier en disant à Dieu, Alléluia, Seigneur, que ton comment feu revienne à moi au nom de Jésus, que ton feu brûle en moi. Alléluia, Shababarata, souriez, comment Éternel Seigneur, ce soir, nous reconnaissons que tu nous parles. Jésus, que ton feu demeure en moi. S'il te plaît, mon Jésus, que ton feu demeure en moi, que ton feu Je prie que ces vacances ne permettent aucune porte ouverte à la distraction concernant ma vie chrétienne, en ce qui concerne ma vie de prière, en ce qui concerne ma sanctification, en ce qui concerne ma consécration. Seigneur, je veux garder à l'esprit la priorité de mon salut. Père, je veux garder à l'esprit la priorité de mon salut. Père, je veux garder à l'esprit mon droit seul et mon déçu de toi. Père, je veux garder à l'esprit que personne n'est mon priorité. Seigneur, je veux garder à l'esprit la perfection de mon action. Nous avons besoin de souffrir en moi. Nous avons besoin à l'esprit que je dois être concentré. Je dois veiller sur ma vie de prière. Que je dois veiller, Seigneur, sur ma relation avec toi. Que je dois veiller, Père, ma sanctification sur ma consécration. Père, raison pour laquelle je te demande de rallumer en moi. Seigneur, que ce feu le Seigneur, ne me laisse pas faiblir. Ne permets pas que je faiblisse, Seigneur, dans cette période. Ne permets pas que je faiblisse, Père, dans cette période. Je veux que mon esprit fasse autant avec l'esprit. Seigneur, que l'esprit soit connecté, que je sois encore plus en communion. Seigneur Jésus, que je m'éloigne. Peu importe la distraction, je veux témoigner de toi, Père éternel. Seigneur, marche devant moi et je marcherai dans tes pas. Seigneur, marche devant moi et je marcherai dans tes pas. Seigneur, tu vas la main et je marcherai dans tes pas. Éternel, peu importe la distraction qui souffrira dans mon pied. Seigneur, je prie et je déclare aujourd'hui que je reste connecté à toi. Je prie et je déclare aujourd'hui que mon esprit reste connecté à ton esprit. Seigneur, nos esprits peuvent que nos esprits seront d'accord. Seigneur, je serai plus en esprit que dans ma chair. Éternel, tu as dit que nous avons besoin de prier les bien disposés et que la chair est faible. Exactement parce qu'elle est faible que mon esprit dominera sur elle. C'est exactement parce qu'elle est faible que mon esprit dominera sur elle. Saint-Esprit, je compte sur toi. Saint-Esprit, je compte sur toi. Je ne suis pas forte, c'est toi qui es fort. Je ne suis pas forte, Saint-Esprit, c'est toi qui es fort. Prie, Saint-Esprit, afin que toi, tu ne permettes pas que roi des rois, s'il te plaît, roi des rois, s'il te plaît, roi des rois, s'il te plaît, roi des rois, soit disposé. Saint-Esprit, soit disposé. Saint-Esprit, je compte sur toi. Je dois veiller sur ce feu que tu as envoyé. Je dois veiller sur ce feu qui s'allume. Saint-Esprit, enseigne-moi tes pensées durant cette période.
Saint-Esprit, enseigne-moi tes pensées, Dieu, en plus de toute ma vie. Saint-Esprit, enseigne-moi tes pensées. Saint-Esprit, remplis ce cœur que je suis. Saint-Esprit, ramène-moi encore ce feu qui est en moi. Saint-Esprit, ramène-moi encore ce feu qui est en moi. Saint-Esprit, enseigne-moi tes pensées. Je vous prie, Saint-Esprit, afin que nous restions communiqués. Je ferme la porte à tout esprit de distraction. Je ferme la porte à tout esprit de distraction. Je ferme la porte à tout compagnon qui va me mener à la distraction. Je ferme la porte à tout compagnon qui va me mener à la distraction. Je ferme la porte à toute compagnie qui va m'amener à la déconcentration. Je reste concentré sur ton esprit. 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 Je reste Que le Saint-Esprit me rappelle ce que je peux faire, parce que le Saint-Esprit m'enseigne à l'aider, parce que le Saint-Esprit m'aide à veiller sur ce feu qui est en moi, que ce feu ne s'éteigne pas, que ce feu ne s'éteigne pas. Je sais que ma vie de prière en débrouille, que ce feu ne s'éteigne pas. Je sais que ma vie de sanctification en débrouille, que ce feu ne s'éteigne pas. Je sais que ma consécration en débrouille, que ce feu ne s'éteigne pas. Que ce feu ne s'éteigne pas. Que ce feu consomme moi tout ce qui ne vient pas de mon père. Que ce feu consomme moi tout ce qui ne vient pas de mon père. Que ce feu consomme moi tout ce qui ne vient pas de mon père. Que ce feu consomme moi tout ce qui ne vient pas de mon père. Que ce feu consomme moi tout ce qui ne vient pas de mon père. Que ce feu consomme moi tout ce qui ne vient pas de mon père. Que ce feu consomme moi tout ce qui ne Dalia le feria la manda la bare bare wa spende li cattoria lo cosciando li a da bare le brada baria li fa lo cosotto bande li le fa e le mai da 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 le cattoria maria la brada de e li scapota o cando o cota a catalia li che feri o caria la braindelia capataria che ton feu nous embrase maintenant que ton feu nous embrase maintenant que ton feu nous embrase maintenant kali chande fario ria katafaria la mai se paoderia que ton feu nous embrase que ton feu nous embrase que ton feu nous embrase amen alléluia tout en tout nom alléluia amen alléluia amen alléluia Matthieu chapitre 26 regarde chande la face Matthieu chapitre 26 verset 34 ici la Bible dit Jésus le dit, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. En fait, Jésus va prévenir Pierre. On doit comprendre que Dieu ne prévient pas inutilement. Si dès l'entame de ses vacances, le Seigneur nous dit, arrangez-vous pour ne pas que le feu le feu de Dieu qui est en vous soit éteint. Ça veut dire que pendant ces vacances, beaucoup de personnes vont traverser des situations où ce feu-là normalement devrait s'éteindre, où ce feu-là normalement doit s'éteindre. Mais notre Dieu qui est un visionnaire, il va nous prévenir d'abord. Il va nous prévenir d'abord. Et nous, à nous d'être prêts. Ce qui m'a plu dans ça, vous allez remarquer un truc. Lorsque Jésus dit à Pierre, tu vas me renier, la chose arrive effectivement,
Mais chose bizarre, c'est que Pierre s'est peut-être dit, je marche avec Jésus, le Tout-Puissant Jésus, je marche avec lui. Donc, si normalement c'est un truc qui est en train de se passer, c'est un truc qu'il a dit, peut-être qu'il peut dire une parole et puis il va annuler complètement ça. Mais non, ça n'a pas été fait. Parce que sûrement, il y avait un travail que Pierre lui-même devait faire. Sûrement, il devait peut-être dire, ah Seigneur, comment je vais faire pour ne pas arriver à ça? Mais non, 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 Pierre n'a pas fait ça. Donc, nous, on va prier. On va dire à Dieu, Seigneur, que nous soyons prêts. Nous devons être prêts. Seigneur, nous voulons être prêts. Seigneur, nous ne voulons pas être surpris Non, par un quelconque événement pendant ses vacances. Nous ne voulons pas être surpris par un quelconque événement pendant ses vacances. Là où tu t'attends le moins, la chose à laquelle tu t'attends, c'est-à-dire que ça vient de nulle part et puis ça te frappe. Tu dis, mais Seigneur, je ne m'attendais pas à ça. Ce n'était pas prévu. J'étais tellement concentré sur toi. Non, Seigneur, pas moi, pas ma vie de prière. L'Éternel t'avait déjà prévenu. T'avais déjà prévenu le 17 sixième mois. Amen, alléluia. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à être prêt. Seigneur, c'est toi qui vois devant. C'est toi qui sais ce qui va se passer. Père, que je ne sois pas surpris, que je ne sois pas surprise. Aide-moi au nom de Jésus. Élève la voix et prie avec moi dans le nom de Oh Jésus. Père, notre Père élevé dans les cieux, Papa, nous croyons en ton pouvoir, nous croyons en ta puissance, nous croyons en ta majesté, Saint-Esprit. C'est sur toi que nous nous appuyons, nous comptons sur toi, roi de gloire, aide-nous à ne pas avoir ce péril Seigneur, Père, pendant ces vacances, pendant ces périodes, roi de gloire, toi qui vois devant, c'est toi qui connais toutes choses, c'est toi qui es grand, c'est surpris, roi de gloire, nous ne pouvons pas être surpris par les événements qui vont arriver. Accorde-nous cette dimension d'intercession pour que tu fais de nous de véritables sentinelles, afin de voir, afin de voir, afin de voir arriver dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-nous cette grâce, accorde-nous cette grâce. Oh, Ramoni, Prado, Valoma, Ocasoni, Casotaneli, Ali, Kali, Faria, la Brada, Faria, la Brada, Faria, la Maya, Nous n'est-ce pas la mer, si vous voulez,
la force de nous relever, la force de nous tenir debout, la force de parler de ta part, la force de faire de afin que nos frères et sœurs gardent ton feu, gardent ce que garde le feu. Forme de tentation, que toute forme de séduction s'éloigne. Oli Abra, Yele Baos, Kende Paria, la Manda Baria, la Brada Baria, la Brada Baria, la Brada Baria, la Brada Baria, sur lui-même, les agents de ses agents. Nous rendons grâce à Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour ce qu'il est en train de nous faire, pour ce bien qu'il nous donne, pour cette force qu'il est en train de nous donner. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Les versets 32. La Bible dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. En fait, on doit comprendre un truc. C'est que lorsque le Seigneur est en train de faire comprendre à Simon que Satan l'a réclamé, le but de la réclamation, de cette réclamation-là, c'est qu'il perde la foi. Donc Jésus dit, j'ai prié afin que tu ne perds pas la foi. Donc, ce qui signifie que il va arriver des moments dans votre vie où Satan peut vous affaiblir. Il peut vous taper. Il peut faire de sorte que vous essayez de trébucher ou bien peut-être même vous avez trébuché. Mais le truc, c'est que vous ne devez pas perdre la foi. Vous ne devez pas perdre la foi. Parce que celui qui a perdu ou celle qui a perdu la foi, il serait très difficile de le rattraper, cette personne. Par moment, Satan peut te taper par une situation pour laquelle tu as tellement prié et puis tu n'as pas eu d'exaucement pendant que d'autres donnent des témoignages. Là, tu te poses la question, mais où est-il ce Dieu grand et puissant? Par moment, ça peut être une situation où tu te dis, mais c'est injuste, Seigneur. Tu savais que j'en avais tellement besoin, mais tu ne m'as pas donné. C'est injuste, Seigneur. Et puis tu perds la foi. Satan peut s'appuyer là-dessus pour te taper afin que tu perdes la foi. Donc, on comprend que par la prière, on peut conserver notre foi. Par la prière, on doit conserver notre foi. Et par la prière, on va conserver notre foi. Raison pour laquelle nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, que nous ne perdons pas notre foi. Seigneur, je ne dois pas perdre ma foi. Dans le nom de Jésus, Père, je ne dois pas perdre ma foi. Tu vas prier comme ça, avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de foi, avec beaucoup de force, dans ton cœur, bien sûr, pas crier, crier. Mais tu dois être convaincu de l'exaucement de cette prière-là, au nom de Jésus. Tu peux lever la voix et prier avec moi, afin de ne pas perdre la foi, au nom de Jésus. Prions le Seigneur.
Situation,
Amen, alléluia. Dans le texte que nous avons lu, nous avons remarqué que c'est Jésus qui dit à Pierre, je prie, j'ai prié pour toi afin que tu ne pètes pas la foi. C'est Jésus qui fait l'action de prier pour quelqu'un. En fait, il faut comprendre que Pierre, il était dans une position de faiblesse. Là, lui-même ne pouvait pas prier pour lui-même afin que les choses changent. Mais Jésus qui a vu, a pu prier pour lui. C'est la raison pour laquelle nous allons prendre Ecclésiaste. Ecclésiaste 4, 9. Et nous allons comprendre que deux valent mieux que un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ce qui signifie que deux personnes qui s'associent pour demander quelque chose à Dieu, c'est plus efficace. Donc, nous aussi, nous allons prier pour ceux, nos amis, nos frères et sœurs, nos familles. Quand j'étais en train de préparer ce sujet, même maintenant, mon esprit va beaucoup plus sur les familles. Sur les familles. Bizarrement, moi, j'ai remarqué que dans nos familles chrétiennes, tu peux voir le fils converti et puis les autres membres de la famille ne sont pas convertis. Chacun fait ce qu'il veut. C'est vraiment bizarre. Ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Mais on peut arriver à ce niveau-là où nous, Dieu nous donne la foi et Dieu donne aussi la foi à tous les membres de notre famille. J'ai mon ami d'enfance, mon meilleur ami qui est en Côte d'Ivoire, qui est chrétien méthodiste, qui lui, a sa maman qui est prédicatrice, son papa qui est prédicateur. Ils sont quatre garçons. Les quatre sont des jeunes serviteurs de Dieu qui sont vraiment bien. Mais ce qui me marque plus, c'est que eux, ils sont tellement toujours ensemble, toujours en train de prier. Tous leurs voisins à côté sont des gens qui vont à l'église. Même s'ils ne vont pas dans leur église. C'est-à-dire qu'ils ont fait de sorte que tous leurs voisins vont à l'église. Et j'ai été choqué de ce témoignage-là. Tous leurs voisins vont à l'église. Moi, quand je l'ai connu, il m'a expliqué ça. Je ne croyais pas, mais au fur et à mesure qu'on a grandi jusqu'à ce que je vois, même actuellement, je dis, mais tous leurs voisins, on les connaît. Quand il y a un petit truc, on les appelle pour venir prier. Tout le voisinage, c'est-à-dire qu'ils ont contaminé tout le monde. Et je crois que c'est possible avec nous ce soir. Tu vas prier pour ta famille. Deux valent mieux qu'un. Tu vas prier pour ta famille. S'il y a des membres de ta famille qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas encore la foi, s'il y a des personnes qui ne marchent pas avec Jésus, tu vas prier pour ces personnes-là. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, que mon frère, que mon ami, que mon meilleur ami, ma meilleure amie, mes frères, mes soeurs, mes amis, qu'ils soient contaminés par l'évangile, qu'ils soient contaminés par cette acceptation de Jésus, qu'ils soient contaminés par les choses de Jésus, par les choses de Dieu dans le nom de Jésus. Prions et invoquons le Seigneur pour notre entourage, pour nos familles au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Jésus. Nous prions, Père éternel des armées, afin que tu touches. Nous prions afin que tu touches le Père éternel des armées, Papa. Que là où Saint-Esprit
Oui, là-bas. Fais tomber les sentiers, Saint-Esprit de Dieu. Fais tomber les murailles, ô roi de gloire, que la vie de Christ soit manifeste en nous. À tel point qu'elle contamine notre entourage, qu'elle contamine, Père éternel, examine notre voisinage, qu'elle contamine, Saint-Esprit de Dieu, les personnes autour de nous, les personnes que nous allons rencontrer, Saint-Esprit, en lien à nos qui a été dans cette période, Saint-Esprit de Dieu, roi de gloire, que nous puissions être mon destin, papa, je vais être véritable, Saint-Esprit de Dieu, le véritable, que nous puissions, Saint-Esprit, par ta grâce et par ta grâce à toi, toi seul, Saint-Dieu, que nous puissions toucher davantage de personnes, que les personnes qui sont autour de nous parlent pour notre soutien, Père, dans les âmes, soyez édifiés, encouragés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Alléluia, dans nos paroles, sous ta paria, Amen, alléluia. Amen. Galates chapitre 1, verset 15 à 16. Galates chapitre 1, verset 15 à 16. La Bible dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis, à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Alléluia. En fait, il a plu à Dieu de se révéler à lui. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il dit, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. C'est-à-dire, il a été conduit, il s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Il s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Aussitôt, il s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu parce que le Seigneur s'est révélé à lui. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu doit se révéler à nous. Dieu doit se révéler à nous. Dieu doit se révéler à toi. Le fait que Dieu se révèle à toi, ce n'est pas seulement une expérience surnaturelle. C'est vrai que Jésus dit, nul ne connaît le jour. Si ce n'est le Père. Si ce n'est le Père, où est à qui le Père veut bien révéler. Mais tu dois comprendre que tu dois avoir la révélation de Dieu. Dieu doit se révéler à toi, que ce soit par les Écritures, que ce soit dans la prière, que ce soit par ta vie de prière, mais Dieu doit se révéler à toi. Raison pour laquelle tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi. De n'importe quelle manière, révèle-toi à moi, afin d'être conduit par ton esprit. Il dit, aussitôt, c'est-à-dire, c'est plus la chair ni le sang qui le conduit maintenant, il est conduit par le Saint-Esprit. Parce que pendant ses vacances, jusqu'à ce qu'on rentre encore dans une nouvelle année, je dirais ecclésiastique, scolaire, tout ce que tu veux, tu dois toujours être embrasé de la puissance de l'esprit. Donc, tu vas dire à Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi,
afin que je sois conduit par ton esprit au nom de Jésus. Prie avec Lorsqu'il n'y a plus à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, Père éternel, toi, nous avons être conduit par ton esprit,
Amen, alléluia. Amen, alléluia. Le dernier sujet. Nous prions ce dernier sujet. Écoute, quand tu viens à la prière, et puis tu as dans ton esprit, Seigneur, tu fais une prière peut-être avant de venir, tu fais comme par exemple, Seigneur, j'ai mon sujet. Pendant la prière, révèle à ton serviteur, révèle au pasteur Pierre, révèle à ton serviteur que voilà le sujet que j'ai, révèle et donne une parole d'exaucement, ceci, cela. Dieu voit bien, Dieu peut bien le faire. Tu comprends? Mais ce sujet-là, pendant même que tu es en train de prier pour un sujet qu'on a donné qui est très différent de ton sujet que tu as, de ce problème-là, de ce souci-là que tu es en train de transporter, Dieu, il voit et il exauce. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Dieu, il voit et il exauce. Donc, je suis en train de te dire, ne te dis pas que quand tu es venu avec un sujet particulier et puis il n'y a pas eu une révélation précise sur le sujet ou bien la situation que tu vis, une révélation précise sur la situation que tu vis, non, la prière n'a pas été bien ou bien, non. Dieu, il a déjà exaucé ce sujet-là, ce sujet qui t'a transporté, tu es venu avec ce sujet-là, l'Éternel l'a déjà exaucé dans le nom de Jésus. Écoute, Nombre 6, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Pierre, Paul, l'apôtre Paul est en train de souffrir et puis l'Éternel lui dit, ma grâce te suffit. Pendant qu'il a crié à l'Éternel, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Je ne sais pas si on néglige trop ou bien c'est parce qu'on a l'habitude de répéter la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Donc peut-être on néglige l'effet de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est trop puissante. Lorsqu'il y a la grâce de Dieu sur toi, tu n'es plus la même personne. Peut-être que tu n'as pas encore expérimenté la grâce de Dieu qui vient sur toi. C'est-à-dire que tu es changé en une autre personne. La grâce de Dieu, c'est comme un bouclier, je ne sais pas comment je vais dire, c'est comme un bouclier qui vient sur toi, qui te donne une faveur, c'est-à-dire que personne ne peut te concurrencer quand la grâce de Dieu vient sur toi. Et toi, ce soir, ce que tu vas faire, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ta grâce repose sur moi. On a trop entendu la grâce de Dieu repose sur toi. C'est-à-dire, c'est devenu comme une vaine parole. Aujourd'hui, c'est comme une salutation. La grâce de Dieu repose sur toi. Non, tu dis, Seigneur, que ta grâce repose sur moi. Cette grâce-là que d'autres ont expérimenté, cette grâce-là, Paul qui souffre, et puis toi, tu lui dis, ta grâce le suffit. Je veux cette grâce-là aussi sur ma vie. À compter de ce soir, je veux expérimenter cette grâce-là. Cette grâce-là va envoyer la joie dans ta famille, dans ton cœur, autour de toi, dans tes affaires, dans ton ministère. Cette grâce-là va envoyer quelque chose de spécial au nom de Jésus. Il nous reste 2 minutes simplement pour prier, pour réclamer la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux prier avec moi pour réclamer la grâce de Dieu d'une manière exceptionnelle? Prie avec nous. D'une manière exceptionnelle. Chagé la bouche. Ta grâce sur ma vie. Zadali Nous voulons marcher dans la grâce, nous voulons marcher avec assurance.
C'est comme ton grâce, c'est que toi tu vois des grâces. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Nous te disons merci. Amen, alléluia. Est-ce que tu peux dire amen, amen, amen? L'Éternel Tout-Puissant nous a exaucés. Est-ce que dans les commentaires, amen, si tu as trouvé, tu peux donner et amen. Et amen. Que Dieu nous bénisse tous. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment passé dans sa présence. Nous avons passé un bon moment dans sa présence. L'Éternel va encore nous booster dans notre vie de prière, notre vie de tous les jours. Ne laisse pas, ce soir-là, si tu as ton temps de prière, ne rate pas, ne dis pas que non, on a été à l'EDD, donc je peux dormir. Non, si tu as ton temps de prière, tu as ton temps de prière habituel, je ne sais pas, peut-être minuit, une heure, deux heures là-bas la nuit, il faut prier, il ne faut pas rater ton temps de prière. Et reste toujours en train de suivre les informations, que ce soit dans le groupe Telegram, tout et tout. La semaine prochaine, nous allons continuer la prière. S'il y a des informations concernant, comment on appelle ça, la reprise de la classe des disciples, nous allons vous donner les informations le plus tôt possible. Et le Seigneur va nous faire grâce. Que Dieu nous bénisse. Je prie pour clôturer. Père éternel, nous te bénissons. Te disons merci pour ce moment passé dans ta présence. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Béni sois-tu. Sois élevé. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Protège-nous. Et nous voulons que tu te révèles à nous. Que ta grâce demeure sur nous. Et que nous ne perdons pas ce feu-là tout au long des vacances. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu peux dire shalom, shalom à quelqu'un. À la semaine prochaine. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom.